Le retour sur investissement qu'on peut observer, c'est l'atteinte de notre cap DN 100% en 8 semaines sur les formats HM et SM, y compris sur les secteurs vacants. Sans cet outil focus, l'atteinte de ce cap, il est impossible. Barilla est présent sur 6 catégories, donc le pain et la viennoiserie, les pâtes et sauces, les biscuits et la panification sèche. Et notre force de vente, elle est composée de 78 chefs de secteur, de 16 attachés co, divisés sur 12 régions différentes, donc managés par 12 CVR. Et on couvre à peu près 4500 magasins et 600 drives. On agit sur des marchés à forte intensité concurrentielle, avec une taille de boîte assez réduite et une largeur d'offre très étendue. On a donc des produits qui sont souvent en rupture, notamment sur nos 20-80, mais également des consommateurs qui se reportent facilement sur les produits concurrents. Donc pour nous, l'ADN, mais également la visibilité en magasin, c'est notre combat permanent. On rencontre des problématiques de recrutement avec des secteurs géographiques qui sont vacants sur de longues périodes. Ça représente un réel potentiel à aller chercher pour nous de la croissance et de la visibilité en magasin. Pour les CVR, c'est une charge de travail supplémentaire et qui est plutôt difficile à gérer pour eux. Chez Barilla, chaque CVR possède une licence Focus afin de pouvoir commander des visites dans les magasins des secteurs vacants. Cela les aide à avoir une vision claire et précise de l'ADN manquante sur leur région, mais également d'identifier les magasins les plus déficitaires. De là, ils mettent ensuite en place des plans d'action rapides et simples via des opérations de phoning, de mailing, mais également des visites. Avec Focus, nous avons réussi à améliorer notre pilotage, mais également le management des secteurs vacants dans l'atteinte de nos objectifs.